Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance de l'Unipop. Alors, ce soir, on va faire un petit pas de côté, ou on va dire élargir un petit peu l'horizon, peut-être par rapport à d'habitude, puisqu'on va s'intéresser à l'art de la parfumerie, au monde des parfums, en compagnie de l'une des grandes spécialistes des références françaises en la matière, Elisabeth de Feydeau, que je remercie mille fois d'avoir répondu à notre invitation pour cette première à l'Unipop. Elisabeth est une éminente historienne du parfum. Elle donne des conférences partout dans le monde, elle intervient en tant qu'experte auprès des plus grandes maisons et elle a signé des ouvrages de référence en la matière, comme La grande histoire du parfum en 2019 ou son dictionnaire amoureux du parfum qui est paru l'an dernier dans la fameuse collection des éditions Plomb. Donc le monde de la parfumerie des parfums n'a plus aucun secret pour elle, elle va nous en livrer quelques-uns ce soir et on va voyager donc avec elle dans cet univers olfactif et parfumé. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je suis absolument ravie d'être ce soir avec vous dans cette belle salle de cinéma, c'est une première pour moi si je puis dire. Donc on m'a demandé de faire un fragment de discours amoureux. Alors je me suis dit que comme nous étions dans une salle de cinéma, nous allions vivre une épopée, celle du parfum, puisque finalement cette évolution de la parfumerie dans l'histoire des civilisations va nous montrer que raconter l'histoire du parfum, c'est finalement dérouler toute l'histoire de l'humanité. Alors c'est sûr qu'en 1h30, on ne va peut-être pas tout approfondir dans toutes les périodes de l'histoire, mais on va essayer de vivre cela comme une épopée, avec cette espèce de souffle en fait que le parfum a pu être dans l'histoire des civilisations. Déjà, pour une chose qui est, je dirais, d'ordre physiologique, c'est que le rôle de l'odorat dans l'histoire a été très important. Et peut-être même avant l'histoire de l'humanité, puisque quand on lit la légende, enfin le mythe du paradis perdu, l'histoire d'Adam et Ève, et notamment quand on lit les textes apocryphes de la Bible, on a ce texte de Saint Avitius qui raconte que Adam et Ève sont donc dans le paradis, ce jardin d'Éden qui est absolument merveilleux. Ils sont réveillés chaque matin par un doux zéphyr odorant. Ils dorment sur un lit de pétales de rose. Et évidemment, tout est bien dans le meilleur des mondes. Et puis, il y a le serpent tentateur qui arrive et il cherche à séduire Ève. Il va lui dire de belles paroles, mais Ève ne succombera pas. Il va lui chanter un chant mélodieux, mais Ève ne succombe pas. Il va lui montrer des choses merveilleuses. Ève ne succombe toujours pas. Et puis tout d'un coup, il se dit, mais finalement, je vais tremper le fruit de la connaissance dans le parfum le plus délicieux. Et peut-être que là, Ève va succomber. Et effectivement, Ève sentit que le fruit était bon et eut envie de le croquer. Donc peut-être que finalement l'odorat est à l'origine, si vous voulez, de cette chute d'Adam et Ève, puisqu'on connaît la suite, hein, évidemment. Donc ils sont chassés du paradis et Dieu, dans sa grande bonté, nous explique Saint Avitius, autorise Adam et Ève d'emporter du paradis perdu les parfums, comme le vestige, si vous voulez, de cette union parfaite entre le cosmos et l'humanité. Donc les parfums représentent peut-être cette quête du Graal, voyez, pour l'humanité, c'est-à-dire en fait restaurer cette communication rompue entre le monde visible et le monde invisible. Et on sait que le rôle de l'odorat est très important pour la vie et la survie des premiers hommes, notamment, puisque le sens de l'odorat est le sens de la survie. D'ailleurs, aujourd'hui, on en a encore des traces dans le vocabulaire quand on dit « je le sens pas » ou « ça sent pas bon » ou « je l'ai dans la peau ». Vous voyez, il y a cette trace que, finalement, à l'origine de l'humanité, l'odorat était là pour signaler le danger. Et tout ce que l'on ne connaissait pas, toutes les odeurs qui étaient inconnues, c'était un danger potentiel. Donc, ce sens qui était extrêmement important, évidemment, pour la survie des hommes, et les a certainement conduits aussi à développer leur faculté olfactive. On sait également que l'odorat joue un rôle très important dans la reproduction, puisqu'on a ces fameuses phéromones, qui sont ces hormones olfactives
qui sont toujours présentes dans le règne mammifère, et nous en sommes d'ailleurs, mais chez nous, heureusement, le système voméronasal est à l'état de vestige. Donc notre nerf olfactif ne nous incite pas, si vous voulez, à la reproduction, comme ça peut l'être pour d'autres mammifères, mais il n'empêche que le parfum va rester, si vous voulez, cet univers à fantasme, l'odeur de l'autre aussi, l'odeur de l'être aimé est également source de plaisir et de rêverie, et donc le parfum est, comme le disait d'ailleurs très bien Bachelard, les odeurs sont notre premier témoignage de notre fusion au monde, l'odeur aimée est au centre de notre intimité. Et c'est donc... le rôle de l'odorat continue de jouer un rôle très très important. Ce qui est dommage, c'est que nous ne le développions pas suffisamment, même si depuis quelques années, il reprend de l'importance et on a à nouveau des ateliers pour muscler nos narines. Mais c'est vrai que chez les anciens, l'odorat jouait un rôle très important. Alors même après les premiers hommes, après la préhistoire, il y avait notamment en médecine, ce qu'on appelait la science du flair, qui permettait aux médecins de poser des diagnostics d'après les odeurs. Donc l'odeur est vraiment un point très important dans la vie des hommes. Et le parfum est effectivement un vecteur qui nous relie au monde, qui nous le fait appréhender grâce à nos 5 milliards de cellules sensorielles, beaucoup moins que le chien, mais néanmoins quand même un certain nombre de cellules qui peuvent nous donner des indications sur la vie qui nous entoure. Donc, entre les enivrantes vapeurs qui nous permettent de communiquer avec l'invisible, les senteurs également qui étaient là pour combattre la pestilence et combattre aussi la maladie, les parfums capiteux pour séduire, le parfum est véritablement au cœur de l'histoire des civilisations. Alors, pour nous résumer, si vous voulez, cette évolution, on va d'abord partir dans le monde sacré, parce que vous l'avez compris, finalement, depuis l'histoire d'Adam et Ève, la communication a été rompue avec le divin, et les premiers hommes vont imaginer la restaurer, justement, par les fumigations. Ensuite, on a eu tout le rôle, et peut-être même, en même temps, si vous voulez, un développement qui a été à peu près en même temps, par rapport à la médecine et plus largement au bien-être. Ensuite, on a eu tout ce développement de l'intériorité, de l'intimité, comme le disait Bachelard, et donc le parfum qui va représenter cette quête du Graal pour en arriver aussi à ce qu'on appelle l'art du parfum, qui est ce développement d'un métier merveilleux qui remonte à la nuit des temps et qui est le métier de parfumeur. Alors, qu'est-ce qu'un parfum ? Le mot vient de l'expression latine « perfumum » ou aussi « perfumare », c'est-à-dire « à travers la fumée, et qui nous renvoie à cette origine sacrée du parfum, à cet encens qui était ce premier parfum que les hommes brûlaient dans les temples pour porter vers les dieux les prières humaines. Et cet art du parfum qui est né dans les temples et représente les balbutiements de l'art du parfumeur. Donc on peut dire, d'une certaine manière, que les premiers parfumeurs étaient ces prêtres qui préparaient donc des parfums sacerdotes, c'est-à-dire qui étaient destinés au rituel, qui n'étaient pas destinés à sentir bon, mais qui étaient destinés plus exactement à honorer les dieux. Alors on a des traces très très anciennes, d'après l'archéologie, si vous voulez, on remonte ces rituels au 4e millénaire avant Jésus-Christ, notamment en Iran, et les premières traces écrites qui nous viennent de cet art du parfum, de ses origines sacrées, c'est bien sûr tout ce qui est lié à la Mésopotamie, mais plus certainement en tous les cas l'Égypte ancienne, où les recettes de parfums se retrouvaient inscrites sur les temples, sur les murs des temples, qui avaient à leur entrée des laboratoires. Ça s'appelait déjà, vous voyez, des laboratoires, et les prêtres parfumer des encens. Le mot encens vient du latin incensum, c'est-à-dire ce qui est brûlé. Et ces parfums, donc on appelait les parfums sacerdotes, c'est-à-dire des parfums qui étaient destinés au culte des dieux, avaient plusieurs fonctions, mais en tous les cas étaient tous reliés à l'idée de la transcendance, puisque le parfum était ce qui rattachait l'humain d'un ordre supérieur et bien sûr
immuable. Le parfum, c'est une forme de religion au sens premier du terme, donc ce qui vous relie, ce qui relie la terre des hommes avec le ciel des dieux. Voyez ce que disait Hésiode, que le plus pur encens fume sur vos autels pour gagner les faveurs de vos dieux immortels. Parce qu'effectivement, les parfums avaient ce rôle de séduire les dieux, au sens premier du terme, c'est-à-dire séduquer, conduire le regard vers soi. Et comme les anciens pensaient que quand il y avait un malheur qui s'abattait sur terre, c'est que les dieux étaient en colère. Et que si les dieux étaient en colère, c'est qu'ils avaient faim. Comme on ne pouvait pas les voir, on ne pouvait pas les nourrir avec de la nourriture qui était celle des êtres humains. Mais en revanche, on les nourrissait avec des fumées odorantes qui montaient vers le ciel pour apaiser les dieux et du coup les amadouer, si vous voulez, les séduire pour qu'ils apportent aux êtres humains plutôt de la bienfaisance et des bonnes choses. Donc, sous l'Antiquité, on le voit, toutes les religions considèrent le parfum comme un objet de culte et c'est vraiment la première fonction. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre d'ailleurs l'offrande des rois mages au Christ, puisque ces rois qui venaient d'Orient, et on sait que le parfum, comme je vous l'ai dit, est né en Iran et en Mésopotamie, et l'Égypte a été ce canot, cette voie de transmission vers le monde occidental, ils apportent à l'enfant, qui est l'enfant roi, qui est présenté comme l'enfant Dieu, ils vont lui apporter donc de l'encens comme à un dieu, de la myrrhe comme à un homme et de l'or comme à un roi. Alors, on va justement entrer dans ces différentes significations. Donc, l'encens, c'est le mot latin qui veut dire le mélange odorant qui est brûlé et le vocabulaire courant aujourd'hui utilise ce mot également pour l'oliban, qui est vraiment cette résine qui coule d'un arbre sacré qu'on appelait le Boswellia sacra, qui pousse en Somalie, qui pousse également au Yémen, qui pousse à Oman toujours, et qui donc pousse dans des conditions climatiques extrêmes, au point qu'en Orient, on pensait que cet arbre avait été planté des mains de Dieu, car il était capable de se développer dans des conditions absolument extrêmes. Et la sève de cet arbre est appelée dans le monde oriental toujours la baraka. Je pense que vous devez savoir ce que veut dire la baraka, c'est-à-dire en fait cette chance. Voilà. Donc l'encens avait une vertu, donc l'oliban plus exactement, avait une première vertu qui était purificatrice. C'est un excellent antiseptique et c'est d'ailleurs pour ça qu'il était utilisé dans les temples, qui étaient un lieu de rassemblement et d'éventuellement d'épidémie, si vous voulez, de contagion. Je pense que suite à l'épisode du Covid, c'est quelque chose qui vous parle particulièrement. Donc, on avait besoin de désinfecter les lieux pour éviter les épidémies. Et l'encens, également, comme cette vertu purificatrice, eh bien, purification des corps, mais aussi purification de l'âme. Donc, on sent sans cesse pour se mettre en disposition donc d'adoration, de méditation envers la divinité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on dit encenser une personne, c'est bien l'élever aux yeux des autres. Donc, vous voyez, il y a toujours cette dimension, en fait, d'offrande vers la divinité. La myrrhe est une autre résine qui pousse, donc qui est la résine d'un arbre qui pousse en Somalie, l'arbre à myrrhe, et qui est relié à une légende, qui est un mythe plus exactement, qui est un mythe qui explique une des pires transgressions de l'humanité, à savoir l'inceste, puisque la myrrhe est reliée à l'histoire de la princesse Myrrha, qui était détestée d'Aphrodite car elle ne lui rendait pas son culte. Et donc, Aphrodite décide de lui jeter un sort. Le sort, ce sera donc de consommer l'inceste avec son père, qui était le roi de Babylone. Et évidemment, le père s'aperçoit. Alors, vous avez l'histoire qui est relatée dans Ovide, dans les poèmes d'Ovide. Et donc, le père s'aperçoit évidemment du subterfuge, va chasser sa fille du palais. Et la princesse Myrrha est seule, désespérée,
dans le désert, abandonnée de tous. Et les dieux se disent tout de même, Aphrodite est un peu sévère, un peu garce avec cette princesse. Nous allons la transformer en arbre à myrrhe. Et donc cet arbre qui pleure les larmes de la princesse Myrrha, des larmes rouges, et qui surtout, de cet arbre qui va enfanter un enfant, comme vous le voyez sur la gravure qui est en dessous donc, de cette slide, et cet arbre, donc cet enfant qui est Adonis, donc cet enfant qui est né de la transgression et qui sera aussi relié au mythe de l'éternelle jeunesse masculine. Donc cette myrrhe avait une fonction physiologique qui était de cicatriser les chairs. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que l'on utilisait dans tous les rituels d'embaumement énormément de myrrhe qui poussait dans ce pays qui était un pays imaginaire qu'on appelait le pays du Punt et qui faisait rêver à peu près toutes les populations orientales de l'Antiquité. Et la myrrhe donc entrait dans tous ces rituels d'embaumement, mais aussi était appréciée pour ses vertus revitalisantes. Et c'est bien pour ça que dans les encens des temples, on mélangeait l'encens, l'oliban et la myrrhe pour justement réveiller l'esprit, le tonifier pour qu'il soit apte à la prière. Et donc, de la Mésopotamie à l'Égypte, on retrouve tous ces rituels, on retrouve ces recettes qui nous sont léguées par les écrits donc, qui sont sur les pyramides, sur les murs des pyramides en Égypte ancienne. Et le parfum parfume les temples, évidemment, dans cette Égypte ancienne pour honorer les dieux, parfume les morts dans tous les rituels d'embaumement. Le parfum est véritable symbole d'immortalité. Et également, donc le parfum, comme vous l'avez compris, est réservé aux dieux, mais aussi il est l'apanage du pharaon qui est considéré comme un dieu sur terre. Et c'est pour ça que dès l'origine, dès l'Antiquité, le parfum est relié au sacré, mais le parfum est relié également au pouvoir. Et ça, c'est très important. On va le revoir un peu plus tard, notamment dans toutes les monarchies occidentales, cette idée justement que le roi sent bon, car le roi est loin du Seigneur et l'élu du Seigneur pour gouverner les peuples. Donc, en Égypte ancienne, qui est ce berceau de la parfumerie antique, l'Égypte ancienne a favorisé l'éveil des mélanges olfactifs grâce entre autres à la vallée du Nil, qui est propice à la culture de nombreuses plantes à parfum et qui va être aussi un lieu d'échange. Donc le parfum est essentiellement destiné aux dieux, il est brûlé dans les temples, sur les autels sacrés. Il est, comme je vous le disais aussi, il entre dans les rituels d'embaumement et de momification. Mais aussi, les Égyptiens vont parfumer les statues des divinités parce que on pensait, donc c'était des onguents odorants, des huiles. À l'époque, la parfumerie alcoolique n'existe pas. C'est une parfumerie qui est à base d'huile. Et on pensait que, si vous voulez, les statues qui étaient dans les temples, comme vous le voyez là sur la photo, étaient en fait inanimées. Mais quand elles étaient parfumées, c'est-à-dire ointes, eh bien, l'âme du dieu entrait dans la statue. Et c'est assez intéressant parce que, finalement, le parfum, c'est ce qui va diviniser. D'ailleurs, le mot égyptien pour désigner le parfum, c'est le sonter, c'est-à-dire ce qui divinise. Et ça a donné aussi une notion beaucoup plus, avec un mot beaucoup plus récent, qu'on appelle aujourd'hui le sillage. Je pense que c'est un mot que vous avez déjà entendu, peut-être même utilisé. Et c'est aussi le sillage, c'est la présence dans l'absence. C'est finalement cette odeur de vous quand vous n'êtes plus là, quand vous venez de quitter une pièce ou quand vous passez dans la rue et qui va ramener la personne qui le sent directement à vos côtés, même si vous n'y êtes pas. Eh bien, cette notion du sillage était déjà finalement dans cette idée que finalement le parfum va animer au sens littéral du terme, c'est-à-dire donner une âme à un objet qui n'en a pas. Voilà, donc ça, c'était très important et ça existe dès l'Égypte ancienne. Voilà, donc parmi les ingrédients phares de la composition des parfums de l'époque, eh bien, il y avait donc la myrrhe et l'oliban dont je vous ai parlé, qui étaient considérés comme l'encens
véritable. Donc le parfum et tous ses ingrédients prennent place dans de nombreux rituels sacrés et aussi peu à peu dans la vie quotidienne pour l'entretien du corps. Donc on voit que le parfum est absolument permanent dans la vie antique, mais néanmoins, il y a quand même une nuance, c'est que le parfum est autorisé en dehors du culte sacré uniquement pour ses vertus thérapeutiques. Vous l'avez compris, je vous ai parlé des vertus physiologiques de toutes ces matières premières. Eh bien, pour ces mêmes vertus, les hommes pouvaient utiliser certains, ce qu'on appelait aromates à l'époque. On appelait ainsi les matières premières de l'art du parfum. Et vraiment, c'était utilisé non pas à des fins de séduction, même si ça l'était quand même, mais ça, c'était une transgression. Ça l'était vraiment pour des vertus curatives, des vertus thérapeutiques. Et notamment, on a la recette d'un parfum qui est très célèbre, très caractéristique du monde antique, qui est le kifi, ce parfum dont le nom littéralement veut dire le parfum deux fois bon, c'est-à-dire bon pour les dieux, mais aussi bon pour les hommes, bénéfique pour les hommes, parce que par ses vertus des aromates qui le composent, et c'était une véritable panacée qui va dominer le monde antique. Il était utilisé en fumigation, il était également mêlé à des boissons, et ce premier parfum donc traitait différentes affections, et bien sûr accroissait aussi le pouvoir de séduction, et c'est ce que n'avaient pas manqué de remarquer les belles égyptiennes qui l'utilisaient de manière tout à fait interdite. Donc ce kifi était un mélange déjà très oriental, à base bien sûr d'encens, de myrrhe, de pinjoin, d'épices, et tout cela mélangé dans du vin de palme, et avec additionné de miel. Et donc on le mettait au soleil à l'heure où il était le plus chaud, et ce mélange se compactait et permettait de faire des petites boulettes qui étaient donc brûlées dans des cassolettes dans les temples, mais aussi ces petites boulettes étaient à nouveau mélangées à du vin ou à des boissons, donc pour traiter différentes maladies, notamment les maladies des nerfs, puisque les prêtres qui préparaient donc le kifi avaient remarqué qu'au moment de sa préparation, ils avaient un certain assoupissement, bien-être, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à utiliser ce parfum à d'autres fins que les fins rituelles. Alors, je vous l'ai dit, ce parfum et d'autres du monde égyptien vont devenir des panacées et notamment vont être récupérés par toute la tradition gréco-romaine où le parfum va gagner toute la Méditerranée, notamment grâce aux conquêtes d'Alexandre le Grand, puis ensuite grâce à l'Empire romain où le parfum va être adopté par les civilisations grecques et latines sur le modèle égyptien. Et c'est comme ça que l'on verra finalement toutes les matières premières également prendre une signification qui est liée à tous les grands mythes gréco-romains, comme je vous l'ai expliqué avec notamment celui de la princesse Myrrha. Et c'est vraiment un âge d'or du parfum antique qui va être commun aux trois cultures et qui va s'étendre de l'invention de l'écriture vers 3500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle après Jésus-Christ. Et le parfum va être symbole de pouvoir, bien sûr rituel sacré, symbole du pouvoir, et les aromates ont la valeur de l'or. Et c'est bien pour ça qu'on peut imaginer qu'Alexandre le Grand se soit jeté sur les routes du monde pour conquérir les pays qui produisaient ces matières aromatiques qui étaient aussi précieuses. On a un témoignage notamment de son précepteur qui lui aurait dit, avant de brûler l'encens de manière aussi inconséquente, attend au moins d'en conquérir le pays, les pays qui le produisent. Et c'est peut-être pour cette raison qu'Alexandre le Grand s'est jeté sur les routes du monde. Et en tous les cas, on sait qu'Alexandre le Grand a rapporté un certain nombre de matières premières en Occident, les a implantés dans le bassin méditerranéen, notamment je pense au cédra, mais aussi a fait connaître les matières premières animales comme le musc tonkin, comme l'ambre gris, découvert lors de batailles contre les Chinois. Il a bien sûr rapporté le safran et un certain nombre d'autres aromates qui étaient aussi précieuses
que l'or, et donc qui était aussi lié au pouvoir, ce qui est quand même très très important. Donc dans le monde grec, si vous voulez, les Grecs utilisent largement le parfum dans leur vie quotidienne, religieuse, dans la vie civile aussi, aussi bien pour la célébration du culte que pour l'hygiène du corps et pour la beauté. Et les Grecs continuent de conférer ce pouvoir religieux au parfum. Et on le voit très bien dans les traditions, les parfums en Grèce ponctuent les moments importants de la vie, de la naissance, le mariage, la mort. Il y a des rituels également comme le bœuf aux aromates qui rappellent les premiers rituels de la préhistoire, si vous voulez, puisque c'est lié à la fonction sacrée du feu, au fait de la combustion des aromates. C'est lié aussi au mythe de Prométhée, hein, donc, qui avait volé, qui avait dérobé le feu aux dieux. Donc le parfum joue un rôle très important et va s'étendre, bien sûr, dans le monde romain, avec cet empire thermal, puisque Rome va baigner jusque dans la débauche, dans une atmosphère parfumée d'huiles aromatiques. On a plusieurs témoignages aussi, notamment les funérailles qui sont toujours funérailles de l'épouse de Néron, qui se sont déroulées dans une débauche olfactive. Les banquets étaient évidemment parfumés, et l'influence islamique va aussi se répandre sur l'Empire romain, comme l'attrait de nouvelles odeurs épicées, safranées, venues d'Inde, d'Asie, par la route perse. Donc, dans l'Empire romain, on a énormément d'encens, toilettes et bains parfumés qui sont introduits dans le commerce, avec aussi une importance donnée aux soins cosmétologiques qui sont très, très importants jusqu'à la débauche et jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident. Voilà, donc toute cette antiquité gréco-romaine est baignée par les odeurs. On va retrouver également une grande importance donnée au parfum dans les cultes monothéistes. On peut le voir notamment dans toute l'histoire des Hébreux, qui réservent le parfum au rite religieux. Les parfumeurs constituent une caste très importante et privilégiée. Et les aromates et les parfums vont occuper toujours une place très importante dans le développement des civilisations antiques. Ce serait presque l'objet d'une conférence à lui seul, ce sujet, tellement c'est extrêmement important, et une culture qui reste très, très vivace, notamment en Orient. Alors, l'Orient, là aussi, c'est un monde absolument incroyable. Et j'ai été frappée lors de voyages récents, que ce soit en Arabie Saoudite ou même dans la péninsule, que ce soit aux Émirats Arabes Unis ou donc Dubaï ou Abu Dhabi, mais aussi à Doha, au Qatar, combien leurs traditions sont encore très proches de ce qu'on appelait sous l'Antiquité l'Arabie heureuse. L'Arabie heureuse qui était ce qui correspondrait aujourd'hui à l'actuel Yémen, qui était donc ce pays fabuleux où, d'après les Romains, tous les habitants étaient heureux car ils étaient riches et ils baignaient dans une atmosphère parfumée qui ne pouvait que les mettre en bonne santé. Donc l'Arabie heureuse produisait aussi toutes ces matières qui étaient très convoitées, comme la myrrhe et l'encens. Et le parfum, donc, en Orient, honore les dieux. Il est aussi le corollaire du pouvoir et de la richesse. Et c'est un élément fondamental donc dans les fêtes, dans les cérémonies. Il s'utilise lors de rituels pour éloigner les mauvais génies. Le parfum donc joue un rôle à la fois protecteur et purificateur. Comme le dit le prophète, parfumez vos demeures avec de l'oliban et de la sarriette. Prenez un bain le vendredi, parfumez-vous et changez de vêtements. Et le prophète dit aussi que les parfums avec les femmes et les enfants sont les trésors du paradis. Donc ce sont encore des traditions extrêmement vivaces et donc anciennes, évidemment, reliées à la tradition. Et on encense encore les visiteurs, les invités, avec des compositions, ce qu'on appelle les barours, qui sont ces parfums qui ressemblent certainement à ce que devait être le kifi égyptien. Donc cette perception sacrée, actuellement, elle est toujours vécue comme le parfum, qui est une expérience mystique, comme une élévation. Alors évidemment, aujourd'hui,
dans nos civilisations occidentales, le côté sacré du parfum est un petit peu moins perceptible, si ce n'est que, finalement, d'une certaine manière, se parfumer, c'est aussi gagner un peu d'immortalité, c'est aussi gagner une forme de transcendance, de sacralité. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, qu'une odeur flotte dans l'air et l'invisible se fait présence, le parfum relève toujours du surnaturel, il a quelque chose de magique. On peut être encore, interloqué par un parfum, séduit par un parfum. C'est cette histoire de sillage, donc, qui est cette présence dans l'absence et qui aussi a un très très fort pouvoir émotionnel. Je pense qu'on a tous déjà vécu cette expérience de sentir le parfum d'une personne disparue qui nous était chère, eh bien, sans maîtriser son émotionnel, eh bien, on peut avoir les larmes aux yeux, on peut être dans un état de grande émotion. Et comme je vous le disais aussi, encenser une personne, c'est vraiment l'élever aux yeux des autres. Donc aujourd'hui, on pourrait dire d'une certaine manière que c'est plutôt l'individu qui devient le temple du parfum, qui va continuer à calmer, apaiser les esprits, l'élever. Le parfum est vécu comme une expérience spirituelle, va représenter la transcendance du quotidien, le dépassement de soi. Et cette notion, si vous voulez, de parfum transcendantal, elle est encore très vivace, comme je vous le disais, dans le monde oriental, mais aussi en Extrême-Orient, où il n'y a pas un temple qui ne soit pas parfumé, où il n'y a pas une méditation qui ne soit pas portée par les encens, au sens du mélange odorant qui s'élève pour porter l'esprit vers le surnaturel. Et il y a un parfum qui a renoué avec cette dimension-là dans le monde occidental. En 1989, c'était Samsara de Guerlain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce parfum. En 1989, le nom voulait dire en sanskrit le cycle des renaissances et des naissances et des renaissances. Et il était basé sur le santal qui, en Inde, est une matière sacrée qui brûle dans les temples. Les temples en Inde sont fabriqués en bois de santal et c'est une des matières premières qui est très présente dans Samsara, puisque Jean-Paul Guerlain avait voulu retranscrire dans un parfum occidental l'odeur qu'il avait sentie dans les temples en Inde. Puis le flacon aussi reprenait, si vous voulez, la couleur rouge, qui est une couleur dans le bouddhisme, une couleur sacrée. La position du lotus, le flacon reprenait la position du lotus et le bouchon était le témoin du troisième œil. Voilà, donc on était tout à fait dans cette tradition bouddhique, mystique également, qui signifie être silencieux et qui va aussi apporter tout un monde zen qui est porté par les volutes de l'encens, par également les arômes d'un thé. La cérémonie du thé est très proche de la cérémonie de l'encens qui, dans le monde, comme le monde au Japon par exemple, est liée à la cérémonie du kodo, cette cérémonie où on va écouter les parfums dans un silence religieux, parce que les parfums sont là pour nous élever, pour nous envoyer un message de l'au-delà. Donc c'est encore quelque chose d'extrêmement mystique dans le monde extrême-oriental. Les cérémonies du kodo sont encore... c'est évidemment pas courant, mais on peut encore... Moi, j'en ai vécu au Japon. C'est assez intéressant d'être dans cet univers olfactif qui est là, en fait, pour nous envoyer un message, pour finalement écouter les parfums. Donc vous voyez que dans le fond, même si c'est né dans le monde antique, le côté sacré du parfum nous revient par la civilisation orientale dans le monde occidental pour continuer à nous témoigner donc de cette fonction sacrée, mystique, transcendantale du parfum, de ce perfumum. Et puis avec l'idée du feu, on a aussi l'idée de la purification. Du feu à l'eau, d'une certaine manière, le parfum s'inscrit aux sources d'un art de vivre millénaire. Sa place actuelle n'est sans doute pas étrangère à l'influence de la philosophie zen en Occident depuis les années 90, depuis cette philosophie aussi du New Age, où le zen a engendré une culture, un art de vivre, une esthétique qui est fondée sur le dépouillement, le détachement, mais où le parfum
va jouer encore un rôle. Donc ce monde olfactif du troisième monde millénaire se définit par son interprétation de l'esprit zen, cette expérience absolue du bien-être au travers d'un parfum, avec aussi cette notion de l'eau qui purifie. L'eau qui purifie parce que c'est justement quand le parfum va devenir eau, va devenir élixir, qu'il va aussi jouer son rôle dans la médecine, dans le bien-être, va devenir véritablement le parfum qui soigne et qui guérit. Et ce sont les Arabes qui vont introduire en Occident ces traditions chinoises et indiennes de cette médecine qui est basée sur les aromates. Les Arabes vont améliorer la technique de l'alambic qui existait déjà sous les Grecs entre le 9e et le 10e siècle après Jésus-Christ, et ils vont mettre au point la distillation à l'eau, puis ensuite distillation alcoolique, grâce aux travaux notamment du savant iranien Avicenne. Il n'est pas le seul, bien sûr, à avoir mis au point l'alambic, mais en tous les cas, c'est celui qui, dans le monde occidental, a joué le rôle le plus important, car ses enseignements ont été appris à l'université de Salerne en Italie, et donc ainsi est arrivé dans le monde occidental. Donc le produit de la distillation va être nommé l'élixir, qui, en traduction littérale, signifie le médicament le plus précieux. Donc ce médicament qui va être entre l'idée du parfum et l'idée du médicament. Alors, l'Empire romain d'Occident, comme vous le savez, chute en 476 après Jésus-Christ. Le monde occidental va être balayé par les invasions barbares, et c'est sûr que au Moyen-Âge, en tous les cas en Occident, le monde occidental est marqué par une régression de l'emploi profane des parfums au profit d'un usage strictement religieux ou médicinal. L'Église est extrêmement puissante pendant toute la période du Moyen-Âge, qui est une période extrêmement longue dans l'histoire, et à cette époque-là, on considère que la vertu sent bon, que le péché est associé à la puanteur, mais en tous les cas, le parfum, au sens profane du terme, conduit à toutes les débauches et il est uniquement réservé à l'Église et aux fumigations donc d'encens. Et c'est les croisés donc qui vont rapporter de terre d'islam un certain regain d'intérêt en Occident pour les aromates, pour les senteurs, et notamment vont rapporter en tous les cas des croisades le bois d'aloès, qu'aujourd'hui on appelle le oud. Vous avez dû déjà entendre parler de cette matière aussi qui est à nouveau très à la mode. Et puis surtout, rapporte l'eau de rose. L'eau de rose, ce qu'on appelle l'attar de rose dans le monde oriental, qui est extrêmement appréciée et tellement appréciée dans le monde occidental, notamment parce qu'elle est introduite dans les bains, qui étaient à l'époque publics, hein, au Moyen-Âge. Contrairement à une idée reçue, on se baigne. Hein. C'est même le premier cri au Moyen-Âge, le matin, pour réveiller les villes, c'est celui de l'étuve. Donc, pour signaler que les bains sont chauds et donc prêts à recevoir les clients. Donc, on se baigne au Moyen-Âge, mais on se baigne en public, selon la tradition orientale, et on va ensuite se reposer dans des alcôves. Et quand l'eau de rose parfume ces bains, évidemment, ça conduit à toutes les voluptés. Donc, l'Église s'inquiète de cet engouement profane pour l'eau de rose et va donc instituer au XIIIe siècle le rosaire, vous savez, qui est cette prière qui est dédiée à la Vierge Marie et qui est caractérisée par le chapelet, en fait, hein, ce petit chapelet qui était en fait un chapelet de buis qu'on trempait dans l'eau de rose et que l'on récitait pendant le mois du rosaire. Et c'est là aussi où on va dire que la Vierge Marie, qui est l'incarnation parfaite de la féminité, vertueuse, et va sentir la rose. Chaque apparition de la Vierge est caractérisée par l'odeur de la rose, l'odeur également du lys, qui, sur un plan purement olfactif, sont des odeurs extrêmement capiteuses et pas du tout évanescentes. Mais il fallait bien sanctifier ces odeurs, en tous les cas les dépaganiser. Donc ça arrive à ce moment-là et au Moyen-Âge, le parfum se fait talisman, devient
panacée, comme le kifi aussi, et on est dans cette dans ce dialogue entre le propre et le sale, entre le saint et le malsain. Alors de même que sous l'Antiquité, les dieux étaient caractérisés par la bonne odeur et les hommes soumis donc à la putréfaction, puisque les hommes, l'humanité n'est pas éternelle, eh bien ce qui caractérisait les dieux des hommes, c'était l'odeur, la bonne odeur des dieux, la mauvaise odeur des hommes. Eh bien, au Moyen Âge, peu à peu, se fait aussi l'idée. Bien sûr, il y a encore ce qu'on appelle l'odeur, l'odeur de vertu, l'odeur vertueuse, l'odeur des saints, notamment quand ils apparaissent. Donc, l'odeur de la vertu. Mais il y a aussi cette idée que le propre, enfin le riche sent bon et le pauvre sent mauvais, puisque les bains sont réservés tout de même aux bourgeois et aux nobles des villes. Le pauvre, lui, n'a que l'eau des rivières pour se baigner. Mais surtout, c'est que le parfum porte remède. Et le parfum porte remède garde au jardin grâce au jardin des simples, qui était dans les monastères, ce carré réservé aux plantes médicinales, aux plantes officinales, qui étaient cultivées par le moine herboriste, qui fabriquait également les médicaments. Et c'est ainsi que peu à peu, le parfumeur, après avoir été prêtre, se fait également herboriste, apothicaire, et qu'il y a une grande tradition dans les monastères au Moyen-Âge qui est liée à la préparation des senteurs, des élixirs. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, vous avez des élixirs hein, que vous trouvez dans les pharmacies, qui sont des legs de cette tradition qui remonte au Moyen-Âge et qui remonte au Jardin des Simples. Et donc, c'est très important parce que c'est sur cette tradition-là aussi que s'est formée, en 1190, la communauté des Gantiers parfumeurs, tout d'abord à Montpellier, puis à Grasse, et où le parfumeur est avant tout un apothicaire ou un tanneur. C'est-à-dire qu'en fait, le parfum est vécu comme un médicament, comme une protection, soit parce que les aromates sont suffisamment puissants pour combattre les épidémies. C'est toute la naissance de l'aromathérapie dont on a hérité de la pharmacopée égyptienne. Et c'est les plantes, donc dans les traités anciens de médecine et de parfumerie, enseignent donc aux apothicaires la façon de guérir un certain nombre de maladies. Mais aussi, le gant a cette même vertu purificatrice et protectrice, car vous le savez, c'est par la main qu'on attrape aussi particulièrement les épidémies, et c'est bien pour ça. Alors à l'époque, on n'avait pas de gel hydroalcoolique, hein, mais on portait des gants. Voilà, on portait des gants le jour, on portait des moufles la nuit pour réparer les mains, et c'était les gantiers parfumeurs qui préparaient ces gants, parce que pour tanner les peaux, on utilisait des matières qui ne sentaient pas très bon, comme l'urine de cheval, les crottes de chien, les excréments humains également, qui avaient des vertus chimiques naturelles pour tanner les peaux. Et ensuite, il fallait bien sûr libérer les peaux de ces odeurs. Donc, on préparait des bains de senteur selon la méthode orientale. Et ces bains de senteur devaient provoquer une sorte de choc des titans entre la bonne odeur des aromates et la mauvaise odeur des peaux. Et ensuite, mais bien plus tard, sous Catherine de Médicis, on aura la vogue des gants parfumés. Mais dans un premier temps, le métier de parfumeur était le métier secondaire du métier de gantier, tout simplement pour enlever l'odeur de la tannerie, l'odeur des tanneurs. Et puis, comme vous l'avez compris depuis l'Égypte, les aromates ont une vertu physiologique, eh bien, l'apothicairerie se développe, notamment à Montpellier, où il y a une faculté de médecine qui est extrêmement importante, et qui va former des apothicaires donc à toutes ces plantes officinales. Et alors vous le voyez également, ce rôle purificateur va durer très très longtemps, même encore jusque au début du XXe siècle, hein, puisqu'on a encore des témoignages notamment lors de la grippe espagnole en 1918-1920, où dans le codex on avait un certain nombre de produits qui étaient entre l'apothicairerie et la parfumerie.
Et l'apothicaire est vraiment considéré comme le parfumeur, le médecin, celui qui, au péril de sa vie aussi, vous le voyez avec l'habit de Charles de Lorme, l'habit de l'apothicaire, l'habit du parfumeur, va désinfecter les lieux qui ont été infectés par les épidémies, notamment au moment de la peste noire, où là, le parfumeur joue un rôle très important. Et puis Charles de Lorme, sous Louis XIII, va mettre au point cet habit qui était en cuir, vous le voyez, avec un bec, un masque en forme de bec, où il y avait des aromates au bout pour justement désinfecter et empêcher d'attraper la maladie, va désinfecter tous les lieux. Donc c'est un rôle très, très important. Et on peut dire presque qu'on était dans ce rôle d'alchimie, en fait, pour le parfum, avec un certain nombre de produits leaders, comme on dirait aujourd'hui. Je pense notamment aux pommandeurs, qui étaient ces pommes d'ambre, qui étaient des réceptacles très précieux, en métal, qui contenaient donc des parfums solides que l'on portait comme un collier, que l'on portait à la ceinture ou comme une bague, et qui étaient destinés à protéger des épidémies. Je pense également à un autre parfum qui est un élixir, qui est d'une certaine manière le premier parfum occidental qu'on appelle l'eau de la reine de Hongrie. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que le parfum, il est avant tout oriental. Hein, il va devenir finalement tardivement dans l'histoire de l'humanité occidentale. Et l'eau de la reine de Hongrie est mise au point en 1370, exactement au même moment où le pot-au-feu est mis au point. Et le pot-au-feu, quand vous regardez la recette du pot-au-feu, c'est en fait un tagine occidental, puisqu'on va faire cuire la viande très longtemps, non pas dans des épices, mais dans des aromates dont la garrigue est évidemment riche. Et bien là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va appliquer les recettes des attars, qui étaient donc ces préparations orientales de parfums, d'élixirs, avec des matières occidentales, le thym, le romarin, la sauge, la marjolaine. Et c'est ainsi que va naître l'eau de la reine de Hongrie, qui, alors selon la légende, avait permis à une reine de retrouver à l'âge de 70 ans, qui était souffreteuse, paralytique, qui était vieille et en mauvaise santé. Elle retrouve la santé, la beauté et la jeunesse, au point que le roi de Pologne, son voisin, plus jeune qu'elle, la demande en mariage. Donc vous imaginez, c'est quand même le meilleur concept de marketing qu'on ait pu imaginer, hein, parce qu'on va promettre aux femmes d'avoir la santé, la beauté et la jeunesse éternelle, et en plus l'amour. Donc à 70 ans, elle est demandée en mariage par un jeune roi, le jeune roi de Pologne, la première cougar de l'histoire. Alors, c'est évidemment une légende parce qu'il est impossible, et je peux vous dire que je me suis penchée sur la question, de savoir exactement qui est cette reine de Hongrie. C'est complètement farfelu. On pense que, tout simplement, c'est un concept marketing, enfin, on appelait ça une réclame de l'époque, qui avait été inventée par les parfumeurs de Montpellier, puisque c'est la spécialité de Montpellier. Ça devient une véritable panacée. Et ça va durer jusqu'au tout début du 19e, puisqu'on le retrouve encore dans les inventaires de parfumeurs. En tous les cas, c'est un produit leader à la cour de Versailles. Donc, pendant toute la monarchie, vous voyez, le 17e, 18e siècle, on retrouve encore l'eau de la reine de Hongrie. C'est vraiment un produit très, très important. Un autre produit leader aussi qui a une légende, c'est le vinaigre des quatre voleurs. On est au 17e et 18e siècle. Et lors des pestes, puisque vous savez, il y a encore des épisodes de peste, et on raconte qu'il y a des voleurs qui arrivent à détrousser les malades, les mourants plutôt, ou les morts, les cadavres, sans attraper la maladie. Donc évidemment, c'est quand même très intéressant. Donc, on arrive à les capturer et on leur promet la liberté en échange de leur recette. Cette recette, donc, c'est ce vinaigre des quatre voleurs qui est resté au codex également jusqu'en 1930. On en aurait peut-être eu besoin au moment du Covid. Donc, si vous voulez, le parfum va entrer peu à peu comme ça dans la vie quotidienne, d'autant plus qu'à la fin du XVIe siècle, Ambroise Paré ferme les bains publics qui sont devenus des lieux de débauche. Rappelez-vous les histoires d'alcôve, hein. En plus les bains étaient mixtes, donc il se passait quand même des drôles de choses pendant les épisodes de bains. Et donc, on décrète, enfin quand je dis « on », c'est les physiologistes,
décrète qu'il n'y a rien de plus dangereux que l'eau, et donc on va instaurer la toilette sèche, c'est-à-dire en fait une propreté qui est faite par des linges imbibés de vinaigre, de lotion, et aussi la propreté se fait par le changement de linge de corps. Voilà ce qu'on appelait les tricots de peau. Hein, ce qui d'ailleurs fera bien plus tard au 19e la fortune de Petit Bateau. Voilà, donc c'est ainsi qu'on avait un semblant de propreté, et l'eau va vraiment disparaître des habitudes humaines. On se baigne très très peu, l'eau va revenir progressivement à la fin du 18e siècle, mais c'est encore très très relatif parce que c'est assez intéressant d'étudier même jusqu'aux années 1960 les plans des habitations, que ce soit les habitations haussmanniennes au 19e et aussi ce qu'on appelait ensuite les habitations à loyer modéré dans les années 50 et 60, eh bien, la salle de bain n'était qu'un cabinet de toilette et c'était loin d'être une affaire quotidienne. Hein. Donc le parfum, plus exactement les lotions, les vinaigres, les eaux, vont remplacer l'eau dans les habitudes humaines. Parmi ces élixirs, il y en a un qui est très célèbre, c'est l'eau de Cologne, qui a été créée en 1695 en Italie par un jeune Italien, Giovanni Paolo Feminis. Là aussi, il y a énormément de légendes. C'est une histoire très complexe, très farfelue pour certains points, dans certains points. Mais peu importe, la légende, vous savez, pour l'historien, elle est intéressante aussi parce que c'est une façon de transcrire l'imaginaire collectif, l'inconscient collectif. Donc, cette recette est mise au point. Elle s'appelle l'eau admirable, l'aqua admirabilis. Giovanni Paolo Feminis va quitter l'Italie, la Lombardie, pour s'établir à Cologne, qui est une ville de distillateurs, qui est en plus une ville franche, une ville qui est très importante pour le commerce, notamment le commerce de luxe. Et il va faire venir son neveu, Jean-Antoine Farina, qui va l'aider à distiller cette aqua admirabilis qui reçoit dès 1720 l'approbation de la faculté de Cologne de médecine et qui va donc le considérer comme un médicament. L'eau de Cologne d'ailleurs restera jusqu'en 1930 inscrite au codex. Le codex, très important dans l'histoire de la parfumerie, vu comme un médicament, car Napoléon Ier légifère la France et notamment décide de mettre fin aux charlataneries de la parfumerie. Et pour cela, il va demander à tous les apothicaires parfumeurs de confier la recette de leur produit miracle à un collège de médecins qui approuveront ou non la recette. Donc, deux produits principalement resteront inscrits, le vinaigre des quatre voleurs et l'eau de Cologne. Voilà, donc, l'eau de Cologne de Jean-Marie Farina est véritablement la première eau de Cologne parce que à Cologne, évidemment, comme c'est une recette, eh bien, d'autres parfumeurs, d'autres distillateurs, je pense notamment à 4711, mais un peu plus tardive, chez Mullens, va aussi créer son eau de Cologne. Et chaque parfumeur, progressivement, aura son eau de Cologne car c'est une recette qui ne différera que de quelques ingrédients et surtout de la dextérité du savoir-faire. Et d'ailleurs, Jean-Marie Farina, le descendant de Giovanni Paolo Feminis, en 1806, arrive à Paris pour devenir le fournisseur de Napoléon Ier, grand consommateur d'eau de Cologne, puisqu'il en consomme à peu près 40 litres par mois. Voilà. Donc, voyez, vous avez le certificat de Napoléon Ier qui décrète que Jean-Marie Farina est un de ses fournisseurs attitrés. Et Jean-Marie Farina, d'ailleurs, va créer pour Napoléon ce petit flacon oblong de couleur verte, en vert foncé, qu'on appelle le rouleau de l'empereur, parce que l'empereur voulait avoir de l'eau de Cologne tout le temps sur lui, et donc glisser ce flacon dans ses bottes de cavalier. Et ça sera donc une habitude, parce que je vous rappelle, l'eau de Cologne, c'est un élixir, et l'élixir, on le boit. Donc l'eau de Cologne, elle était bue, elle était utilisée en friction, elle était utilisée dans l'eau du bain pour désinfecter l'eau. Et d'ailleurs, dans les publicités de Roger Egalet, qui est
le descendant, l'eau de Cologne Roger Gallet, d'ailleurs l'extra-vieille, si vous voulez avoir vraiment l'eau de Cologne la plus authentique, achetez l'extra-vieille en pharmacie. C'est la recette de l'aqua admirabilis de Giovanni Paolo Feminis. Eh bien, Roger Gallet, dans les années 1960, représentait des scènes de vie familiales avec ce slogan « Une bonne friction, une bonne journée ». Voilà. Donc, on frictionnait encore le thorax pour activer la circulation et permettre donc d'éviter d'attraper froid et donc de tomber malade. Et vous voyez que l'eau de Cologne, donc au XIXe siècle, c'était véritablement un genre universel, le produit le plus utilisé de la parfumerie au XIXe siècle. C'est l'homme comme la femme, le riche comme le pauvre, parce qu'il y a de très belles eaux de Cologne, évidemment, comme celle de Guerlain, par exemple, qui est en plus le fournisseur de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, mais aussi vous avez d'autres eaux de Cologne qui étaient vendues dans les bazars de parfumerie, qui était le long des grands boulevards à Paris notamment et dans les grandes villes. Et puis la fondation de la maison Roger Gallet en 1862, qui sont les héritiers de Jean-Marie Farina. Voilà. Alors, l'eau de Cologne, aujourd'hui, on en a encore des traces, puisque ça ne vous a pas échappé. Toutes les grandes maisons aujourd'hui ont encore une eau de Cologne. Vous allez dans des pharmacies, vous pouvez aussi acheter encore l'eau de Cologne. C'est le produit le plus authentique de la parfumerie, mais aussi dans les années 80 et 90, surtout, a été instaurée une nouvelle fraîcheur, celle du troisième millénaire, avec des eaux, on appelait ça les eaux parfumées, comme l'eau parfumée au thé vert de Bulgarie en 1992, qui se caractérise par cette note de thé vert, donc tout en transparence, ou également CK1 de Calvin Klein, qui renoue avec cette idée du parfum élixir, du parfum médicament, du parfum qui soigne, du parfum qui protège de l'autre. Je vous rappelle qu'au moment où CK1 est lancé, le sida fait énormément de victimes. Donc le parfum ne doit pas apporter l'amour qui apporte la mort, mais au contraire, doit être dans la santé, doit guérir, doit protéger l'autre. C'est vraiment l'idée du fresh and clean, comme on dit aux États-Unis, ce côté sécurité, confort, transparence. Et puis, bien sûr, il y a eu le retour des colognes au tout début de 2000, avec notamment la première qui est la Cologne de Mugler en 2000, avec ce retour à l'accord traditionnel, mais habillé, beaucoup plus sophistiqué qu'une autre Cologne. D'abord parce que la concentration n'est pas la même. L'eau de Cologne traditionnelle est ce qui est le produit alcoolique le moins concentré de la déclinaison parfumée. Alors que là, pour les colognes, d'ailleurs on appelle ça des colognes, on est plutôt dans l'eau de parfum, vous voyez, entre l'eau de parfum et l'eau de toilette. Et puis l'accord est un peu plus sophistiqué, un peu plus habillé, comme par exemple la Cologne de Mugler. Vous allez avoir des notes vertes, vous avez des notes musquées également qui sont très prononcées. Et puis on redécouvre aussi des eaux de Cologne anciennes comme l'Acqua di Parma, qui avait été créée en 1916 pour les officiers britanniques et qui est aussi une très ancienne formule de l'histoire de la parfumerie. Et aujourd'hui, toutes les grandes maisons ont une Cologne. Il n'y a rien de plus chic que d'avoir une belle Cologne chez soi. C'est véritablement le produit le plus authentique de la parfumerie, qui a cette légitimité historique et qui est aussi relié à ce besoin de retour aux sources. Donc c'est un produit qui, à la base, est populaire, accessible, mais qui va retrouver un langage beaucoup plus luxueux avec le troisième millénaire. Je vous ai parlé de cette quête du Graal au moment de l'histoire d'Adam et Ève. Et c'est vrai que le parfum, c'est aussi cette recherche du paradis perdu. C'est-à-dire que le parfum agit chez l'homme et chez la femme comme un détonateur, en développant la conscience de soi, la conscience aussi du monde extérieur, et peut-être est aussi déclencheur d'amour, de coup de foudre. D'ailleurs, il y avait eu un parfum américain dans les années 80 qui s'appelait coup de foudre. C'est pas pour rien, vous voyez, c'est pour cette idée, voilà, que le parfum peut conduire à l'amour. Le parfum, c'est vraiment cette idée de l'intimité, c'est l'idée de l'intériorité aussi, où on est libéré des questions d'hygiène et l'homme va se définir dans la société, construire son être dans son paraître. Le parfum va devenir l'expression de soi, le premier vêtement de peau également, ce double olfactif. C'est une idée aussi très narcissique finalement, puisque on recherche son double jeu, hein, J-E ou J-E-U, avec un parfum, puisqu'on joue avec l'idée de la séduction,
dont l'étymologie séducere veut dire se conduire, donc ailleurs. Donc la séduction commence toujours par soi-même. C'est cette idée donc du double jeu, la perception de l'odeur et des parfums est conçue comme l'affirmation du moi jusqu'au narcissisme. Le parfum est un voyage intérieur qui nous apporte donc toute la richesse, la conscience de la richesse de nos émotions. L'olfaction est le sens de l'imagination, avait dit Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, vous voyez cette femme de Bonnard, cette peinture de Bonnard, elle est sortie du bain, elle est sortie du tube, elle est dans le parfumage et elle est complètement dans une posture narcissique face au miroir où elle voyage. C'est un voyage immobile où elle va sentir et ressentir. Et d'ailleurs, on disait aussi que, enfin c'est Aragon qui disait ça, que le parfum d'une femme, c'était son secret. Et que le révéler, c'était la déshabiller devant le premier venu. Donc vous voyez l'importance aussi du parfum. Et longtemps, on disait qu'on ne demandait pas deux choses à une femme, son âge et son parfum. Finalement, percer le nom du parfum, c'était percer peut-être aussi la personnalité de la femme. Le parfum, c'est également la petite Madeleine de Proust. Hein, les parfums sont les magiciens du souvenir. C'est le parfum qui fait parler le silence, qui habite l'absence. C'est ce phénomène de la petite Madeleine de Proust. Je pense que vous avez dû déjà lire, ou sinon, si ce n'a pas déjà été fait, faites-le parce que c'est un texte merveilleux. Ce passage chez Proust où la petite Madeleine de son enfance va entraîner dans ses sillages un cortège de sensations olfactives, gustatives, donc associées aussi à tous les sens, les lignes, les couleurs, les odeurs, qui sont bien sûr toujours suggestifs et qui le ramènent donc à un passé vécu et aimé. Le parfum, c'est donc c'est immatériel, bien sûr, on ne le voit pas. Mais il possède une puissance émotionnelle extrêmement forte puisqu'il va réveiller nos souvenirs les plus enfouis. C'est d'ailleurs aujourd'hui toujours une technique en psychanalyse et également en neurologie pour notamment réveiller la mémoire des amnésiques, notamment ceux qui ont été blessés, les blessés de la route, dont le nerf olfactif a été sectionné pour leur redonner la conscience de leur passé. Des olfactothérapeutes travaillent sur les odeurs qui appartenaient à leur monde d'avant l'accident. Donc le souvenir olfactif nous assaille comme une force mystérieuse et c'est vrai que ni la vue ni l'odorat ne possèdent cette puissance d'éveiller en nous le passé. Le parfumeur va peu à peu être non plus uniquement un apothicaire mais aussi un créateur de rêves et va travailler lui-même sur sa mémoire émotionnelle et olfactive en association pour réveiller chez l'autre ces mêmes souvenirs. Et c'est là où c'est très important effectivement d'être dans cette séduction, dans cette idée aussi de l'odor di femina, selon l'expression du librettiste Da Ponte du Don Juan de Mozart, cette idée du parfum de la peau, qui était aussi très liée pendant tous les cas toute cette période du 19e et une grande partie du 20e qui était liée à la femme, à la féminité. Parce que l'homme ne se parfumera pas de la même manière. L'homme va rester dans une gestuelle beaucoup plus liée au bien-être et à l'hygiène. Effectivement, les parfums de femmes vont jouer sur le romantisme, le glamour, la sensualité. Ce sera l'histoire du numéro 5 de Chanel, créé en 1921. C'est également... toujours cette idée de, à la fois du glamour, du romantisme, de la féminité qui est dégagée dans les publicités de parfums et qui est aussi travaillée dans les parfums liés à la famille florale principalement, puisque dans le langage des fleurs, on estimait aussi une sorte de psychologie olfactive. Les parfumeurs nous disaient, si vous aimez la rose, la violette ou le jasmin, vous êtes romantique, discrète et impétueuse, etc. Et c'est ainsi que peu à peu, une psychologie olfactive s'est construite pour les femmes. En revanche, chez les hommes, on est davantage lié à la notion de l'hygiène, de la force et aussi l'idée de l'immortalité.
et du moins en Occident, je vous parle de ça pour le monde occidental, le parfum masculin, surtout à partir du 19e siècle, il faut que l'homme, le pater familias, il sente bon, il sente le propre, mais il ne cocotte pas. Hein, ce n'est pas l'idée de séduire. Il est là pour gagner sa vie, il est là pour conduire sa famille. Et donc, c'est pour ça que les odeurs traditionnelles qui sont liées au monde masculin sont liées au monde du barbier, c'est-à-dire la lavande. Ça va être également les bois, toutes les notes boisées, puisque les bois, c'est la force, c'est aussi l'immortalité. Hein, l'idée du bois, c'est construire sur du roc, si je puis dire. Et puis, on a également progressivement la famille des fougères, qu'on appelle aussi les aromatiques, qui a été fondée en 1884 par un parfum qui s'appelait Fougère Royale et qui était destiné aux femmes, qui reproduisait l'odeur des sous-bois. Vous voyez ces notes de mousse de chêne, ces notes un peu comme ça, humides, boisées, des notes d'extérieur un peu sombres. Et quand elles se sont adressées aux femmes, ces senteurs, notamment Fougère Royale de Houbigant en 1884, c'était des odeurs. En 1884, la femme, elle n'est pas très aventurière. Et en général, les bois, c'est pas un endroit tout à fait destiné à la femme. Et il se passe des choses qui peuvent être inquiétantes. Relisez les contes d'enfants, hein, que ce soit Le Petit Chaperon Rouge ou La Belle au Bois Dormant ou encore Blanche-Neige. Le bois est inquiétant. Pour la femme, elle est liée beaucoup plus au jardin clos. Et donc, les femmes, quand elles vont sentir cette note qu'on appelait fougère, elles ne vont pas s'y reconnaître et elles vont délaisser ces parfums. Et ce seront les hommes, en revanche, enfin, pas n'importe quels hommes, les dandys, qui se saisiront de cette famille aromatique pour en faire leur parfum et donc leur famille fétiche. Et aujourd'hui, c'est vrai que parmi les aromatiques, on a essentiellement des parfums masculins. Alors, progressivement, ainsi, va naître l'art du parfum comme un métier de tradition, de savoir-faire, d'excellence. Dans le monde occidental, les parfums vont devenir attachés, vous avez vu, traditionnellement, c'est bien sûr attaché au pouvoir, mais attachés au phénomène de cour en Occident. Alors, on a une reine qui est très responsable de ça, c'est Catherine de Médicis, qui est une princesse florentine et qui va arriver en France pour épouser le roi Henri II. Et elle va porter avec elle tout le savoir-faire et l'art de vivre florentin. Et notamment, elle arrive avec son parfumeur René le Florentin, qu'on appelait aussi René l'Empoisonneur, parce qu'à l'époque, poison et parfum, sous la Renaissance, c'était assez proche comme notion. Et c'est intéressant parce que, si vous voulez, avant Catherine de Médicis, le métier de parfumeur en France était un métier assez rudimentaire, ou plus exactement, qui était lié aux fonctions premières du parfum, à savoir l'apothicairerie, la ganterie. On n'avait pas cette notion de luxe par rapport au parfum. C'était un luxe, bien sûr, parce que, comme je vous le disais avant, le riche, les gens d'église pouvaient accéder au parfum, mais il n'y avait pas cette notion plus exactement de raffinement. Et Catherine de Médicis va vraiment introduire ça à la cour, comme un phénomène de cour. Elle va introduire aussi les bijoux parfumés, elle va introduire les caves à parfums. À Blois notamment, elle a un cabinet des parfums, où elle fabriquait elle-même ses parfums, comme le fera après plus tard la reine Marie de Médicis, l'épouse de Louis XIII. Et donc, progressivement, on a vraiment ce savoir-faire d'excellence qui va se développer, héritage bien sûr italien, qui va se développer en France. Si ce n'est que, comme je vous le disais, le parfum est souvent associé au poison. Et d'ailleurs, Catherine de Médicis va être soupçonnée d'avoir empoisonné par des gants parfumés Jeanne d'Albret, qui était la mère du futur Henri IV. Et bon, après, elle va bien sûr être disculpée, mais il y avait, vous voyez, cette idée du poison. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge aussi, on disait, alors sous la Renaissance, on disait qu'il ne fallait pas accepter d'être servi à boire par une main baguée, parce que les bagues à parfum étaient très souvent des bagues à poison. Voilà, donc on a tous ces savoir-faire, et avec une ville très importante qui est Venise, qui est vraiment ce carrefour de l'Orient et de l'Occident, où
vont s'échanger toutes les matières premières, tous les parfums d'Orient, les flacons aussi exceptionnels, les caves à parfums, les cosmétiques. Vous voyez aussi cette petite vendeuse pendant le bal masqué qui vend des flacons de parfums. C'est vraiment à Venise qu'arrivent toutes les richesses d'Orient, et y compris les parfums et les cosmétiques. D'ailleurs, le blond vénitien vient de ces cosmétiques qu'on achetait à Venise et qui permettaient aux brunes de devenir rousses. Donc, sur autorisation du roi Philippe Auguste, les gantiers, qui depuis longtemps couvrent l'odeur du cuir tanné par des senteurs, obtiennent le droit d'être parfumeurs et s'organisent en corporation, donc depuis 1190. L'art du parfum se développe en Italie, en Angleterre, en France, par le biais des cours, et toutes les cours s'attachent donc les services de parfumeurs de prestige. Vous voyez d'ailleurs ici, ce sont les armes de la communauté des gantiers parfumeurs, et la couleur azur témoigne de ce rattachement à la monarchie, à la royauté. Vous voyez, c'est quand même très important. Et si ce n'est pas rattaché au roi, ça sera rattaché à un grand personnage de la cour. Par exemple, Fargeon, l'aîné, Fargeon de Montpellier, était le fournisseur de Mademoiselle d'Orléans, donc la cousine de Louis XIV. Il y avait ce côté très prestigieux, si vous voulez, du métier de parfumeur, comme vous voyez d'ailleurs aussi l'habit du parfumeur qui est représenté donc dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Et vous voyez que le parfumeur est finalement un marchand de plaisir et un marchand à la fois de parfums, avec son alambic sur la tête, là, de cosmétiques, de brosserie également, d'hygiène, d'éponge, de préparation pour le bain, de peau parce qu'il reste un tanneur, de savon, avec les petites savonnettes de Bologne. Il parfume également les éventails. Tout était parfumé, si vous voulez, les tissus étaient parfumés, les jarretières étaient parfumées. On vivait dans un monde vraiment hyperbolique sur le plan de l'odeur jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Parce que les parfums entrent à la cour de Versailles sous Louis XIV. Le roi Soleil, d'ailleurs, est qualifié le roi le plus doux fleurant. Alors, pas du tout par rapport à son odeur, parce que quand vous lisez les mémoires de Saint-Simon, Louis XIV était comme son ancêtre Henri IV, il puait la charogne. Hein. C'était vraiment pas du tout sa qualité première. On sait en plus que Louis XIV appréciait le musc, qui est quand même une note animale très, très puissante, le castoreum, également une note animale très puissante. Et ce n'est qu'à la fin de sa vie, ou parce qu'il a des névralgies dentaires très importantes, qu'il ne supportera plus que l'eau de fleur d'orange, qui est l'eau de fleur d'oranger, qui est apaisante, mais on n'est pas du tout dans cette notion de fleurer bon. Alors si le parfumeur de Louis XIV l'appelle le roi le plus doux fleurant, c'est par rapport à la fonction royale. Vous savez que le roi ne meurt jamais, puisque la fonction royale est tout le temps transmise. Hein, le roi est mort, vive le roi. Donc cet esprit, qui est l'esprit de la divinité, qui est donc forcément la bonne odeur. Et Louis XIV, qui se compare à Horus, d'où l'expression le roi soleil, demander à son premier ministre, donc Colbert, de remplir les caisses de monnaie or, puisque la France ne bat pas monnaie. Et c'est ainsi que Colbert va enquêter, et c'est très, pour l'historien, c'est une mine d'or, cette enquête, car il va référencer tous les métiers français, tout l'artisanat français, et il va faire une liste de ce qu'il appelle les métiers d'art, les métiers d'excellence, dont le métier de parfumeur. Et du coup, il va promouvoir ces métiers en les dotant d'un certain nombre de privilèges à la condition de créer et exceller. C'est ainsi que les métiers d'art vont être institués en France, et la plus grande vitrine de ces métiers d'art, cet étalage du luxe, ce sera le château de Versailles, puisque c'est là que reçoit le roi Louis XIV toutes les cours européennes qui commanderont derrière le faste du roi Soleil, qui commanderont les mêmes objets de pouvoir et également les parfums. Catherine la Grande se fournit à Versailles en parfums. Donc, ce moment de Louis XIV, le règne de Louis XIV est très important pour les parfums, puisqu'ils vont devenir véritablement, le métier de parfumeur va devenir un métier d'art. Et puis sous Louis XV, on utilise toujours beaucoup de parfums,
notamment grâce à la marquise de Pompadour, qui est une grande consommatrice de parfums et qui va aussi beaucoup œuvrer pour la présentation des parfums, notamment les flacons à parfums de porcelaine ou de cristal, hein, en aidant le développement d'un certain nombre de manufactures, comme la manufacture de Sèvres ou Baccarat. Et la cour parfumée de Louis XV est appelée ainsi, car il fallait changer de parfum chaque jour pour se présenter devant le roi. Et puis, pour finir avec cette période d'Ancien Régime, on a également Marie-Antoinette, qui est une reine parfumée, qui était une grande amatrice de parfums, qui eut pour principal parfumeur Fargeon, Jean-Louis Fargeon, et qui va surtout faire éclore la mode du bouquet floral, puisque la parfumerie va faire un certain nombre de progrès, notamment de progrès dans la distillation et dans l'enfleurage, et va permettre d'extraire les senteurs des fleurs de toutes les saisons, ce qui va évidemment libérer l'art du parfumeur et lui permettre de créer ce qu'on appelle le bouquet aux mille fleurs parce qu'avec des fleurs de toutes les saisons. Et c'est Marie-Antoinette qui sera l'égérie, si vous voulez, de cet art du parfumeur. Alors au 19e, changement de décor quand même, on est davantage dans un luxe discret, des odeurs saines avant tout. C'est aussi l'explosion industrielle qui va permettre de conserver à la France l'expertise du luxe qui, en 1900, sera la France est véritablement la première nation du parfum. Elle n'a aucun rival. Elle est la patrie, le berceau du parfum. C'est vraiment la reconnaissance de sa suprématie lors de toutes les expositions universelles. Et du coup, cette vocation exportatrice, mais aussi ambassadrice de l'art de vivre français, se perpétue donc au 19e, avec aussi tout le passage dans l'ère industrielle. Vous avez ici plusieurs vues de l'exposition universelle de Paris en 1900, et également une usine modèle qui a été construite dans les périphéries donc de Paris principalement. Donc la parfumerie française va se concentrer sur Grasse pour la production des matières premières et sur Paris pour les produits finis et aussi les produits chimiques, puisque ce sont les premières applications de la chimie organique à l'art du parfum. Ce qui est important parce que il ne faut pas considérer que le parfum naturel est meilleur que le produit artificiel. Il y a de la très bonne synthèse et du très mauvais naturel. Et il n'y a pas plus toxique de l'un ou de l'autre, si vous voulez. C'est important pour l'art du parfumeur de pouvoir utiliser la synthèse, d'abord parce que la synthèse a permis cet art du parfum, c'est-à-dire d'aller chercher des notes que la nature ne peut donner. Et d'ailleurs, le parfumeur de Marie-Antoinette, à la fin du XVIIIe, l'avait écrit dans son formulaire. « La nature, si belle soit-elle, ne peut donner que ce qu'elle a. » C'est dans la chimie que viendront les plus gros progrès de la parfumerie. Et aussi parce qu'aujourd'hui, grâce à la synthèse, on peut reproduire des odeurs du monde naturel sans toucher à la flore. Et donc, il y a une forme de préservation, si vous voulez, de la flore, préservation des espèces qui, aujourd'hui, est très importante pour éviter donc les disparitions de certaines espèces florales. Je pense notamment, par exemple, au santal aussi, où il y a quand même beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Eh bien, la synthèse va jouer justement tout son rôle pour préserver la nature. Et puis, grâce aux applications de la synthèse, on a vu les premiers chefs-d'œuvre de la parfumerie. Je pense par exemple à Jiki de Guerlain en 1889, un parfum que vous trouvez toujours. Hein. C'est quand même un des grands parfums de l'histoire de la parfumerie. Avec le 19e siècle aussi, on va voir la segmentation du marché avec la naissance des genres en parfumerie, puisque avant l'industrie, le parfum était uniquement sur mesure. Vous avez compris, le parfumeur était dédié à un grand personnage de la cour. Donc, on était dans le goût personnel. On n'était pas dans cette universalité du parfum. Eh bien, à partir de l'industrie, la naissance du marché, on va décréter qu'il y a des parfums pour hommes et des parfums pour femmes. Alors, au 19e siècle et jusqu'à une période
assez tardive dans le XXe siècle. Le parfum s'adresse surtout à une clientèle huppée, élégante, qui va dans les salons de vente parisiens, avec ses nouveaux quartiers du luxe, donc, que sont le Faubourg Saint-Honoré, le quartier de l'Opéra aussi à Paris. Et la France devient plus que jamais la terre élue du parfum, entre Paris, la ville des Lumières, et Grasse, la cité des fleurs. Le XIXe siècle est un siècle bourgeois, très puritain, donc le parfum va être dans cette notion de pérennité, d'hygiène, de beau également naturel, qui reproduit, même avec l'artifice de la nature, cette idée de la fleur, si vous voulez, de la photographie. Et puis, on a quand même peu à peu cet âge d'or de la parfumerie, avec notamment de très grands parfumeurs comme François Coty, qui va véritablement être le père de la parfumerie moderne, avec un certain nombre de visions dans la création du parfum, et notamment cette phrase révolutionnaire, le parfum est objet avant d'être senteur, c'est-à-dire en donnant toute l'importance à la présentation en parfumerie. Parce que forcément, à partir du moment où on s'adresse à un plus grand nombre, eh bien, il faut que le flacon parle à la vue avant que la senteur ne parle à l'odorat. Et puis, c'est aussi avec François Coty qu'on va avoir la première démocratisation de la parfumerie, parce qu'il s'adresse à la classe moyenne dès les années 30, qui était quand même jusque-là un peu exclue du parfum, mis à part l'eau de Cologne. C'est également l'apparition des couturiers parfumeurs, avec cette alliance française très parisienne de ce tout esthétique, ce luxe élitiste. Le premier couturier parfumeur, c'est Paul Poiret, en 1911, avec les parfums de Rosine. Il crée des parfums à l'image de sa mode, mais il va commettre une grosse erreur, c'est qu'il ne donnera pas à ses parfums le nom de sa maison de couture. Les robes Poiret et les parfums de Rosine. Mais cela dit, il va lancer ce mouvement très important des couturiers parfumeurs avec cette très jolie citation. Cette robe va à ravir, mais une larme de mon parfum sur l'ourlet et elle vous ira à merveille. Donc, les parfums de Rosine vont créer ce sillage, ce froufrou olfactif, si vous voulez. Et les couturiers parfumeurs, qui étaient au tout début dans l'entre-deux-guerres une niche qui s'adressait surtout aux clientes initiales de la couture, je pense notamment au numéro 5, qui est aujourd'hui un des parfums les plus célèbres au monde, quand il est lancé en 1921, il s'adressait essentiellement aux clientes de Mademoiselle Chanel. Ce n'était pas une révolution de la rue, le numéro 5, hein, c'était surtout un parfum qui, évidemment, un parfum d'avant-garde, qui, là aussi, on pourrait en faire toute une conférence, mais c'est un parfum qui s'adressait d'abord aux clientes de Gabrielle Chanel. Et c'est la même chose avec Patou. Joy, en 1930, s'adresse aux clientes américaines de Jean Patou, qui sont ruinées par le krach boursier et qui ne feront pas le voyage à Paris pour commander leurs robes. Donc, on est vraiment dans cette idée du style en parfumerie. Et après la Seconde Guerre mondiale, au contraire, le parfum de couturier, c'est l'empreinte, c'est-à-dire le premier pas dans cet univers hédoniste, précieux, où si on ne peut pas s'acheter une robe Dior, eh bien, on s'achètera Miss Dior en 1947. On est davantage dans l'idée de l'empreinte, avec un imaginaire très riche, une invitation au voyage, un projet. Donc, le parfum est un projet d'artiste qui fait d'ailleurs souvent appel à des artistes. On voit Salvatore Dali, Cocteau, Iribe, qui collaborent à toute cette parfumerie de l'entre-deux-guerres et aussi jusqu'aux années 60. Et encore aujourd'hui, on a de grands designers qui signent des flacons de parfum parce que les jus sont de plus en plus précieux. Ce sont des flacons d'exception, ce sont des véritables invitations oniriques. Le parfum est avant tout une séduction, même si, petit bémol, la parfumerie française va connaître, à partir de 1945 et surtout à partir des années 50, la concurrence américaine avec notamment les parfums Estée Lauder et ce marché américain qui est un marché à conquérir. Et c'est ce qui d'ailleurs apportera au numéro 5 l'amplitude qu'on lui connaît aujourd'hui, grâce notamment aux publicités à la télévision dès les années 50. Ce sera enfin la naissance du socio-style dans les années 70, avec cette idée qu'un parfum n'est plus
forcément le témoin de qui l'on est, mais de ce que l'on vit et comment on vit, avec le fameux Charlie en 1973, avec cette publicité, voilà, être belle, être bien, et qui explique qu'une femme vit plusieurs vies dans une vie, donc va adapter son parfum à chacune de ses vies. Et c'est vraiment le modèle américain, le parfum comme je vis et non plus le parfum comme je suis. Et puis on va avoir aussi la naissance du parfum de prêt-à-porter dans les années 70, avec notamment Chloé de Lagerfeld, Cacharel aussi, avec Anaïs, qui va apporter à la parfumerie un univers beaucoup plus accessible, des créations qui sont très présentes sur le marché, mais aussi des créations très visionnaires, très novatrices. Anaïs, c'était le parfum de la jeune fille dans les années 70. C'était le parfum qui pouvait être acheté par une jeune fille avec son argent de poche. Dans les années 80, on va avoir le parfum de créateur avec Montana, Mugler, Kenzo. Des parfums qui sont des partis pris, qui sont disruptifs, qui sont des avant-gardes, qui ne sont pas consensuels et qui sont aussi des paris risqués parce que parmi ces trois parfums très fondateurs de ce courant, seul Angel aujourd'hui est toujours sur le marché de façon importante. Et puis, on est allé tellement loin dans le marketing qu'à un moment donné, il a fallu revenir aux origines, il a fallu revenir à une haute définition du luxe en parfumerie. Et on voit arriver dans les années 90 cette niche avec notamment des gens comme Annick Goutal, comme l'artisan parfumeur, avec Jean Laporte et puis aussi avec Serge Doutens, qui redonne une définition du luxe en parfumerie proche de l'artisanat, proche des belles matières, des matières oubliées aussi, notamment la myrrhe, l'encens qu'on avait totalement oublié dans la palette du parfumeur, et aussi avec l'idée d'un lieu de vente, un salon de vente, un temple en fait, qui est dédié au parfum. Et vous avez ici par exemple le salon du Palais Royal à Paris, qui avait été créé, imaginé par Serge Doutens en 1992. Alors la niche qui est aujourd'hui de plus en plus importante, qui signifie aussi ces collections exclusives que certains grands parfumeurs vont instaurer dans leur offre, parce que la niche est une façon de revenir, vous l'avez compris, aux origines, aux matières, aux belles matières, au geste, à la main de l'homme, à cette idée aussi du luxe en parfumerie, de ce qui est précieux, de ce qui est un instant important dans la vie des hommes. Donc la parfumerie aujourd'hui, elle est avec une multiplicité de modèles, elle est en héritage, en rupture entre la tradition et la modernité. On a cette idée de parfum pour les dieux et pour les pharaons, parfum pour les rois, parfum pour tous. Le parfum est un luxe en soi, le parfum est une séduction. Et je terminerai sur une phrase que j'aime beaucoup de Jean Giono, qui disait que le parfum, c'est l'odeur plus l'homme. Le parfum, c'est toujours cette idée d'une rencontre. Ce n'est pas uniquement une odeur, une senteur, c'est une rencontre. C'est-à-dire que le parfum n'est rien sans la peau, et c'est ça qui est magique dans l'histoire du parfum, qui pourrait commencer par cette phrase, comme les contes de fées, il était une fois, le parfum comme l'expression la plus aboutie de la rencontre entre l'homme et la divinité. Je vous remercie de votre attention. Je suis bien sûr disponible si vous avez des questions. Je ne sais pas si on a merci un beaucoup, petit peu de temps. Elisabeth Defedo, c'était vraiment une épopée passionnante. Merci, bravo pour cette conférence. Le temps est écoulé, mais bon, on a mis le numéro de téléphone. Si certains veulent m'envoyer des questions, je les transmettrai, on y répondra. Je peux peut-être prendre une ou deux questions. Oui, alors, j'arrive. Bon, c'est une question autant pour vous que pour Audrey. C'était le cinéma a toujours cherché à se rapprocher du réel, le cinéma 3D. Il y a eu des tentatives d'expérience avec un film en 2016 qui s'appelle L'Odorat. Et je voulais savoir si vous étiez intéressé à l'usage des odeurs, des parfums dans un cinéma, des expériences. Bien sûr, il y a eu plusieurs expériences de fête aussi bien au théâtre qu'au cinéma.
notamment quand le parfum, le film Le Parfum, donc inspiré de l'œuvre de Susskind, a été projeté au tout début, hein, les premières projections, avec une association, l'association d'une grande maison de création qui est IFF, avait été diffusée des odeurs à certains moments du film pour plonger, si vous voulez, le spectateur dans une 3D finalement sensorielle où on était totalement immergé dans les odeurs. Alors, c'est extrêmement intéressant, c'est vrai, et en même temps, comme vous l'avez compris, l'odorat, c'est aussi l'imagination. Et quelquefois, il faut savoir laisser l'imagination du lecteur, du spectateur, faire son œuvre, voyez. Donc, néanmoins, c'est très intéressant, mais aussi, ça peut le faire de façon individuelle et par l'imagination. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. On le fait aussi, l'odeur et médiation, hein, notamment dans des musées aussi. Hein. Vous avez aussi des musées qui utilisent de plus en plus l'odorat pour témoigner, comme je vous disais en tout début de conférence, de l'histoire des civilisations. Et l'odorat, est, de toute façon, est une dimension très, très, très importante dans l'histoire humaine. Donc, le solliciter est toujours une bonne chose. Bien, on va devoir s'arrêter là, on va rendre l'antenne, comme on dit. Merci encore infiniment. Merci Audrey, merci à tous. Merci à bientôt à l'Unipop. Attention.